Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un haul spécial maman parce que j'ai pris le temps de faire des achats pour moi, bien que j'en ai quand même fait pour les enfants, mais il était temps que je pense un petit peu à moi, surtout avec le changement de saison, car l'année dernière j'avais plutôt des vêtements adaptés à mon corps et avec la grossesse et j'avais fait pas mal de tri et du coup j'étais un petit peu sans vêtements, donc du coup je me suis dit je me fais un petit peu plaisir et depuis le mois de septembre je me suis acheté quelques petites choses pour refaire un petit peu ma garde-robe automne-hiver. Et j'ai été principalement à Stradivarius qui est un de mes magasins préférés, si ce n'est mon préféré. Un petit tour à Zara, un petit peu H&M et j'ai découvert le site Jean Industry sur internet grâce à une vidéo de sa nana et du coup j'ai passé une petite commande. Donc je vous montre tout ça. Alors on commence par Stradivarius. Et il me fallait des petites baskets et j'ai pris celle-ci. Donc voilà, un peu running mais très girly parce qu'on retrouve des paillettes, des lacets un peu en ruban. Donc voilà, et j'en suis super contente et elles sont hyper confortables. Et un petit détail argenté ici. Je les ai portées pendant... qu'on était à Lyon et franchement j'en étais super contente et j'ai pas du tout eu mal aux pieds. Ensuite ça sort de la machine, c'est un haut basique mais il est super bien et super confortable en, voilà comme ça, en col V. Vous allez voir, tout basique, voilà, j'avais besoin d'un beau haut noir basique qui soit agréable à porter. Ensuite, c'est la tendance camouflage militaire. Donc j'ai pris ce pantalon là. Voilà, qui est super bien, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai pris en taille S, hein, il taille très bien. J'ai pris un autre pantalon quand j'étais avec mon mari. Donc voilà, un peu destroy là au genou, déchiré, il est kaki et comme j'aime beaucoup cette couleur, j'ai foncé, hein, j'ai pas hésité. Alors ça aussi, vous allez voir, j'ai acheté plein de vêtements troués, comme dit mon mari. J'ai une petite gymnaste là-bas. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Oups là. Donc ensuite, j'ai pris ces hauts qui sont un peu tendance en ce moment. Donc, déjà par la matière qui est côtelée. Et ensuite, parce qu'il a les épaules dénudées. Donc manche 3/4 et une très belle couleur scintillante. Et je me dis qu'avec... du kaki, ça allait faire l'affaire et aller super bien ensemble. Ensuite, j'ai pris un jean brut de chez Brut avec un petit côté délavé. Donc voilà, il est soi-disant push-up. Bon, voilà, c'est vrai que ça fait des belles fesses, mais c'est les coutures, je pense, qui font cet effet-là. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Un bleu très foncé, très nuit. Toujours chez Stradivarius, j'ai pris ce haut. Donc là, qui est tout doux, un peu chiné, beige, qui est vraiment avec... enfin, fait un peu cachemire, sauf que c'est pas du cachemire. Et voilà, il est vraiment super bien. Il a les manches un peu larges, il est un peu loose et il a un très joli col qui n'est pas véritablement roulé parce qu'il est montant mais tombant. Voilà, un col montant, tombant. Voilà, j'y arrive. Donc voilà, donc celui-là il est super beau et je l'aime beaucoup. Il est très très doux et très agréable à porter. Donc ça c'était pour Stradivarius. Ensuite je suis allée à Zara et il me fallait un petit legging. Et ils sont vraiment très bien, ils sont pas chers, sont à 19€. Donc plutôt taille haute avec des petits détails ici de petites cloutées, voilà. Donc il est comme ça. Et vraiment très bien et au niveau des fesses il gaine bien, enfin franchement ça fait des belles fesses et je l'aime beaucoup et très très confortable. Et pour aller avec, et pour un pas spécial, enfin pas qu'avec ça, mais j'ai pris ce haut là que j'ai beaucoup aimé, très pailleté, scintillant. Donc voilà, donc vous voyez il y a un petit nœud devant et sur le site elle le porte ouvert. Mais j'aime pas trop, enfin j'aime pas trop, j'aime pas ouvert. Moi je fais le petit nœud, voilà. Et donc du coup ça fait un haut qui fait un peu très, qui fait court, mais avec justement le haut taille haute, et ben, je trouvais que ça faisait super bien. Donc voilà, donc
un petit haut. J'aime beaucoup ces couleurs-là. En plus, c'est plutôt les couleurs que je mets sur les yeux quand je me maquille. Donc, je trouvais que ça faisait bien l'affaire. Ensuite, chez H&M, je me suis acheté cette jupe-là. Donc, voilà. Donc, c'est une jupe imitation d'un, comme ça, couleur camel. Et je l'ai achetée parce que Léna a la même petite jupe. Et c'est pour faire un petit look... mère-fille, donc voilà, j'espère que je vous en présenterai très rapidement parce que j'ai plein de petits duos à vous montrer. Ensuite, j'ai oublié chez Zara, mais ça j'y suis retournée il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une robe pour Noël. Donc on a choisi une couleur commune, hein, tous ensemble, tous les cinq. On sera en bordeaux comme ça. Et donc du coup j'ai pris une robe assez simple, plutôt moulante, voilà. Et elle est super belle. Donc du coup elle est très simple. Donc je vais l'habiller avec des bijoux. Je pense à un bon coup de rouge à lèvres, à un beau collier assez imposant. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus elle était à 19€ chez Zara. Donc j'en suis contente. Et ensuite ma commande chez Jean Industry. Donc en fait j'ai commandé des choses qui me plaisaient. J'en ai vu d'autres après coup. Donc j'ai commandé deux autres pulls qui sont pas encore arrivés parce que je viens juste de les recommander. Donc si j'ai le temps je ferai un montage et je rajouterai les pulls présentés. Ou sinon bah, je vous mettrai des petites images à la fin de la vidéo pour vous montrer ce que j'ai pris en plus. Donc j'ai pris ce superbe pull là, donc je sais pas si vous allez voir, c'est un pull avec un col. Voilà, vous savez les colliers ras-de-cou là, les chokers comme on dit là, sont à la mode. Donc voilà, il est comme ça, col V. Col V avec ce petit col bleu nuit. Donc je trouvais que ça allait bien avec le haut que j'avais. Sur le côté, vous avez une petite fente et il est plus long derrière que devant. Donc voilà, il est hyper confortable et il tient bien chaud. Ensuite, j'ai pris un pantalon top jean, voilà, toujours un peu destroy, voilà, c'était, j'étais lancée, qui vous fera peut-être penser à celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui finalement ne sont pas pareils, hein, c'est pas du tout la même teinte, voilà, vous voyez, donc couleur top, et donc je me suis commandé un haut clair, beige clair pour aller avec, et je pense que ça va être super beau, donc je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite j'ai commandé une robe qui est super confortable, super belle. Alors ça c'est vraiment un basique pour moi à avoir et comme j'en avais plus. Donc, elle est col roulé, elle est matière côtelée comme ça, voilà. Et elle est plutôt mi-longue, voilà. Mais ça c'est vraiment une basique et ça c'est vraiment la robe passe-partout. On se pose pas de questions le matin, savoir comment on va s'habiller, on la met, on l'enfile, des jolies bottes ou des jolies bottines, un beau collier et puis ça fait bien l'affaire. Ensuite je me suis pris une grosse robe comme ça là, vous voyez. Alors petit col pareil, épaules dénudées encore une fois, mais alors qu'est-ce qu'elle est confortable, grosse maille comme ça, elle est super super, je l'adore. Et elle est un peu resserrée vers le bas, elle est plutôt mi-longue, elle arrive au-dessus des genoux et avec des cuissardes, je trouve ça juste trop beau. Donc il y a plusieurs couleurs, mais je vais prendre du beige parce que j'avais pas beaucoup de couleurs claires au niveau des robes. Et enfin, j'ai pris ce haut noir là qui paraît, qu'est-ce que c'est, qui paraît très simple comme ça, voilà, col rond, voilà, longueur normale, sauf que tout le long des manches, vous avez des petites ouvertures qui font la différence. Hop. Voilà, vous voyez ? Et trop beau. Voilà, la petite touche. Voilà. Et donc, j'avais vu dans la vidéo de Sana en gris. Et voilà, je me suis pris en noir. Et j'adore, il est trop trop beau. Donc, voilà. Donc bah, j'essayerai de vous mettre tous les liens en barre d'infos pour retrouver un petit peu tout ça. Sur le site Jean Industry, c'est vraiment de la super bonne qualité. J'étais vachement étonnée parce que moi je pensais que c'était un site un peu de discount, un peu comme les boutiques chinoises. Et finalement la qualité est vraiment pas mal du tout. Vraiment j'en suis super contente. C'est des très bonnes matières, très belles matières, des très belles finitions.
Ah ma chérie. Donc voilà, donc moi je suis super super contente de mes achats. Et puis voilà, donc je repasserai commande. Et sinon, ben voilà, donc j'essaye de vous faire un petit haul pour les enfants dans la foulée. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.